Alors aujourd'hui on va parler du matériel qu'il faut. D'abord le coton. Il y a deux sortes de coton. Il y a le coton disque et le coton comme ça en boule en fait. Et le coton disque me sert surtout à pour les plaques et tout. Et puis directement mon vernis ou sinon il sert aussi celui-là à faire les papillotes. Il y a aussi deux types de mousse. Il y a le type de mousse qu'on achète au magasin, c'est la mousse exprès de maquillage aussi. Et j'ai acheté pas cher, 1,50€ à WBU. Et il y a la mousse de récupération, c'est bien d'un canapé, la mousse. Il n'est pas encore testé, mais allez à tester. Je l'ai coupé moi-même après, comme vous voyez. Voilà, c'est deux types de mousse. Là, c'est vraiment très très fin. Et là, on voit quand même les accros, les trous. Après. Par rapport aux plaques, il y a deux sortes de. Moi, j'ai que deux sortes de plaques. J'ai les rondes, que vous voyez ici, ou les rectangles qui sont comme ça. Elles sont vraiment super et tout. Et franchement, j'aime bien. Moi, même si c'est pas de la marque, comme vous voyez, hop, elles sont super. Une finition parfaite. Franchement, j'ai aucun problème ici. Pas le stamping. Après, j'ai deux sortes de tampons, comme vous voyez. Et j'ai un petit rose. Bon, moi, mon préféré, c'est le grand ici. Celui-là, j'utilise pas, ou si j'ai besoin j'utiliserai quand même à l'occasion, mais je préfère il. C'est vrai que lui est plus beau que celui-là, mais bon, je préfère quand même le grand. Après j'ai les, il faut préférer ces raclettes là que les raclettes où il y a un bout en fer, parce qu'elles n'aiment pas les plaques celles-là. Voilà, après le dissolvant, vous avez celui-là qui est en forme comme ça, vous voyez. Ou sinon vous avez le dissolvant en pompe. Là il m'en reste vraiment un petit fond. C'est pour ça que j'en ai un deuxième. Voilà. Il coûte largement un peu plus cher à Lidl, mais c'est pas grave, c'est moins de 2 euros en tout cas. Et lui, c'est moins de 1 euro à Carrefour, c'est le moins cher. Voilà. Après, j'ai un stylo, comme vous voyez ici. Il écrit en blanc, c'est une deux vernis dessus, comme j'ai fait là. Je m'en suis servi pour ça. Et même pour ça. Franchement, pour ça, j'aurais pas utilisé le stylo, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Mais sinon, il est très bien, j'aime bien. J'aime bien l'embout. L'applicateur. L'applicateur, il est comme ça. Et très pratique, franchement, rien à dire. Voilà. Alors, après, on passe au docking tool. Comment dire, eux, je les ai commandés sur un site. Et ils sont en plusieurs tailles, vous voyez là. Avec des embouts. Et il y en a en tout. Dans tout ça. Et après, j'ai un bourgeois que j'avais acheté largement avant, mais c'est que j'ai mis pour les autres avec plusieurs grosseurs. Et du coup, j'ai lâché, mais je garde quand même celui-là parce qu'il peut me servir quand même. Voilà. Après, les pinceaux, je les ai achetés aussi sur le même site. Au total, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au total, j'en ai 10. J'ai donc deux pinceaux carrés, un plus gros et un plus petit, un brunch, un dotting tool ici, là, il se cache. Et d'autres pinceaux plus petits et tout, voilà. Je vais bientôt m'en servir, surtout lui, pour faire les détails et tout, même lui. Je crois que j'ai des pinceaux en double, mais c'est pas grave, ça, vu que ça sert toujours, les pinceaux. Après, la peinture, c'est Blue Maxi, que j'ai acheté aussi sur le site, pas cher et tout. Et par contre, je pense que demain, il faudra duler si je veux faire des petits détails, je pense. Voilà, franchement, il y a pas cher pour le et tout. Normalement, ça devait. Je vais pas recevoir ça entre 10 et 20 jours, j'ai reçu bien avant. Voilà. Après, je vais vous présenter toutes mes strass. Il y a effet velours qui est ici. Enfin, mais vu qu'on va mal le dévisser, c'est un effet velours. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, j'ai jamais encore testé. Après, j'ai les perles le caviar que vous voyez ici. Les perles, en fait, c'est pas trop un truc les perles. Et après, nous avons des paillettes ici, des glitters. Sont un peu épaisses, je les ai aussi en forme d'étoiles, j'ai du stripping ici, au total j'en ai 11, voilà, pas encore ouvert franchement, mais je vais bientôt l'utiliser pour une vidéo que je ferai où j'utiliserai trois vernis, donc mes trois vernis préférés de couleurs que j'adore. Sinon j'ai d'autres strass ici qui sont en petit, ça m'a coûté au total les 48 comme ça. Pas cher du tout, franchement. Après, je sais pas si c'est des vrais ou des fausses, c'est à tester. Il y a toutes les couleurs, franchement, ça qui me plaît. Il y a même des formes en carré qu'on peut voir ici, que je reçois avec. Il y a une tonne de choses. Voilà. Sinon, dans ma boîte, après, j'ai un autre dissolvant qui est ici, où c'est plus du tout la même marque. C'est un autre que qui vient de Tati, le dissolvant qui est dedans. Je les recycle. Et bon, après, j'ai
une assiette, c'est où j'ai fait mes entraînements aussi. Donc c'est normal, les traces de peinture, les mêmes aussi. Du vernis pour d'autres tools. Voilà. J'ai ça aussi. La trappe strass, du coton-tige et un autre pinceau ici. Que j'ai vu, je sais plus où. Dans un coffret Miscope, voilà. J'ai acheté ça pas cher en bas de décor à Bourges. Voilà. Et du scotch, watermarble aussi, ou qu'on a besoin pour ses créations, parce que franchement, dans la prochaine, j'en aurai peut-être besoin. Sinon, voilà, j'ai que ça à vous dire par rapport à toi. J'ai une brosse à dents aussi, et j'ai des vieux pinceaux, dont un pinceau qui me sert pour enlever le vernis quand j'ai débordé. Je le repose, c'est sûr. C'est celui-là, le pinceau qui m'aide à enlever quand j'ai débordé mon vernis. Voilà, franchement, je m'en sers que pour faire ça, celui-là. Ou sinon, j'en ai encore d'autres de cette marque-là. J'ai juste à nettoyer, puis on sait, pour mettre mon vernis directement sur l'ongle en cas où que j'ai pas la bonne couleur de peinture. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!